fait nous une telle faveur à ce que nous avons présenté une telle émission chaque an leur ça. Nous bénissons pour ça, nous glorifions pour ça. Alors comme nous n'avons pas trop en pile temps parce que nous sommes très en retard, nous avons profité d'invoquer le nom de Jésus-Christ et avant même que nous présentons invité nous aussi pour traiter ce sujet ça que nous avons dimanche dernier que nous avons commencé, c'est la Noël. Alors c'est la véritable origine de Noël. La véritable origine de Noël. Avant même que nous rentrions là dans le vite fait, malgré nous pas besoin de parler de tout, mais nous avons essayé de comment résumer un peu ce sujet-là pour permettre que vous capable comprendre pas mal de choses avec un pile point d'interrogation que nous gagnons là à discuter. Et malheureusement, nous n'avons pas gagné assez de temps pour nous faire un tel travail. Nous allons prier le Seigneur ensemble, nous pardon. Pour capable vraiment un bayou avec nous pour nous invoquer le nom de Jésus-Christ dans l'émission 100% évangélique après-midi, hein, avant même que nous commencions dans le sujet ça et présenter ou inviter nous. Nous prenons la prière le Seigneur ensemble. Seigneur, nous bénissons, nous nous remercions dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui est rédempteur, réparateur de brèche, lui-même qui est roi de siècle, immortel, invisible. Seul Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, nous présenter devant au Père pour nous demander grâce et pour nous dire merci parce que nous avons l'opportunité pour nous capables là, après-midi, dans 100% évangélique, pour présenter l'émission ça, par le peuple roi, Seigneur. Nous nous remercions parce que nous avons l'opportunité pour un tel travail et nous demandons que parole, ça qui va bailler, la parole, ça qui va vraiment, Seigneur, transmettre, la permettre qu'elle va tomber côté qui a nécessité pour tendre les gens de parole, ça y est. Permettre qu'on va préparer que chaque monde qui va attendre des paroles ça, permettre qu'on va utiliser nous-mêmes qui sous plateau, hein, Seigneur, pour nous capables de transmettre ça qui est vous-même vous demandez nous pour nous transmettre. On va bénir vraiment serviteur nous, Seigneur, qui est avec nous et qui est là pour partager mission ça avec nous, Seigneur, partager ce sujet-là avec nous. N'a pas nous temps pour souple, on va vraiment utiliser il y a ce que parole ça va transmettre et que serviteur servante qui a nécessité pour une telle parole va recevoir avec la paix et la joie. Seigneur, nous bénissons, n'a pas nous bénir moment, merci pour technicien nous, merci pour chaque téléspectateur, téléspectatrice. Merci Seigneur parce que vous avez une opportunité vraiment pour nous transmettre l'émission. Ça n'a pas le temps pris. On va bénir le moment et permettre que dans le nom de Jésus-Christ, nous va passer un moment béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous, pas de trop, nous allons présenter avant même que nous prenions salut aux téléspectateurs, nous allons présenter au. Monde qui a partagé l'émission avec nous, partagé plateau roi, nous présentons-lui. D'abord, c'est notre frère Kerry Luma, nous a présenté là où même. Et il va saluer, et puis moi-même après, m'a salué. Monde qui est attentif avec l'émission 100% évangélique, nous fait place avec frère Kerry. Bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices de Castivio, et bonsoir notre cher frère Patrick. Et nous comptons aujourd'hui pour nous entrer dans notre écran, pour nous entrer la caillou dans le salon, pour que nous venions pour tes commentaires par nous sur ce sujet. C'est un sujet qui est très courant et un sujet d'actualité. Mais malheureusement, que Frère Patrick Padgetan fait, disons, durant et pour Noël là, qui est censé prendre fin. Mais quand même, nous souhaitons que nous prenions un pile de ça, nous-mêmes qui t'es qu'on fait lit, pour que nous ne fassions pas sans raison, pour que nous connaissions exactement pour qui ça nous fait. Pour que nous fassions, disons, en connaissance de cause. J'aime dire, c'est un plaisir pour que moi avec nous, et déjà, moi remercier Frère Patrick pour l'invitation. C'est un plaisir pour que moi partager le plateau ensemble avec nous. Merci Frère Kerry, nous dit bon Dieu merci encore, et nous avons profité pour saluer et frères et sœurs qui toujours gardent des missions, hein, et qui toujours bâillent temps hein, pour tendre, et 100% évangélique, c'est vrai que, et non pas. Comment tu as dit ça? Ce n'est pas tout le monde qui garde l'eau, tout le monde qui remet 100% évangélique, mais quand même, et la minorité de gens qui prennent temps pour garder l'émission, nous souhaitons bonjour à Benio, même ça, qui ne pas garder le tout. Parce que nous comprenons que la parole, comme dit dans Hébreux 4, le verset 12, il dit que les tranchants, ont été à deux tranchants qu'il a pour couper moelle os. Hein, pour entrer dans la jointure. J'ai dit qu'il suffit de dire la vérité et puis qu'on a pourquoi entrer dans la jointure pour péter zo à moelle, pour entrer côté qui secret.
parce que la vérité était la vérité. Alors c'est pour raison ça, nous avons profité pour nous saluer, frère Nouyo, soeur Nouyo. Nous avons commencé pour nous saluer M. Page, M. Prudent et M. Prudent, deux personnages, Page et M. Prudent, M. Castor, non pas c'est pas personnage, Madame Castor, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons salué Surette, nous avons salué Jonet, nous avons salué M. Massena qui est dans Sidjoa, nous avons salué et je salue ma femme qui est dans Sidjoa aussi, ainsi que d'autres soeurs. Nous saluons personnellement notre frère bien-aimé, le frère Guéry, qui est là, et Talek Poil salue aussi téléspectateur Palio, et le frère Junior qui est dans Sidjoa, par contre, s'il est déplacé maintenant dans Sidjoa là, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, et nous avons salué Jean Francky, et tout animateur qui a suivi. Qui travaille dans la télévision, ça qui va être servicieux pour faire un tel travail. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, nous saluons que bon Dieu va bénir. Nous saluons le frère Ken, le frère Basquin qui est en France actuellement. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons le frère Jean Labadie, notre frère bien-aimé et émetteur, enseignant de la parole de Jésus-Christ. Nous saluons le frère Nenel, le frère Joël, dans le nom de Jésus-Christ, la sœur Gentil, la sœur Jacqueline, la sœur Luciana, la sœur Denise, la sœur Marie, sœur Chantal, sœur Victor, sœur Ivia, sœur Daline, sœur Edith, sœur Livie, dans le nom de Jésus-Christ, nous saluons la sœur Malène Francillon. Nous saluons frère Eugène, sœur Eugène, Nathan, Nathalie, Nathalina, dans le nom de Jésus-Christ, nous saluons. Salut M. Smith, M. Mathurin et tout l'autre monde, M. Mikour, qui toujours garde l'émission, toujours attentive, la famille David, la famille Gabriel, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Madame Connor, Marigot, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons tout le monde, Cathy d'Orléans, Saint-James, Marigot, Grand Case, Madame Miltira, M. Miltira, M. Antoniel, ainsi que sa femme. Nous saluons tout le monde, saluons tout l'autre monde qui a regardé l'émission en nous. Résumer tout en un mot pour nous dire que nous ramenons dans le Seigneur et que nous disons bienvenue dans 100% évangélique et soyez bénis. Frère Kéry nous fait place avec vous si vous avez des téléspectateurs à saluer. Bon, tout d'abord, je salue l'autre fois encore tous les téléspectateurs et téléspectatrices, les fidèles auditeurs, ben, téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission ça. Et en plus, je salue ma famille, en parlant de mon membre et mes deux petites sœurs. Je salue frère Junior, je salue Madame Multira et sa famille. Et je salue toutes frères et sœurs qui toujours prendre le soin pour tendre l'émission ça, pour garder l'émission ça et pour instruire de ça qui a dit dans l'émission ça. Parce que c'est vraiment un bagage qui que moi-même moi prends à cœur, que moi-même moi vraiment apprécier les que des monde malgré tout baille tout eux même pour que soient capables de prêcher l'évangile là malgré toute menace, malgré tout ça qui t'est arrivé, malgré tout ça mon a dit comme des propos malsains. Mais malgré tout, vous avez le courage pour que vous avancez vers l'avant, c'est vraiment à féliciter. Donc, moi, je dis Seigneur, merci pour vous. Moi, je dis Jésus, merci pour force salle maintenant haut pour avancer davantage. Merci. Bon, nous dis merci à Frère Kéry, notre frère bien-aimé, aussi, qui, comme la parole de courage, je ne vais pas te dire qui est si tu as parlé de courage, ça y est. Et nous dit que Frère Kéry, son frère, qui a pile courage, qui a pile cran. Hein? En pile courage, qui parle un frère qui, comme tu as dit, comme souvent dit, un frère qui, m'a dit, comme Eli ou tu dit dans Job 32, il paraît mais flatté, parce qu'il connaît le Seigneur Jésus-Christ, il a levé très bientôt. Et c'est pour ça que moi-même, souvent dit, il paraît mais flatté personne. La vérité, c'est la vérité était préoccupante. Comme dit Ecclésiaste 1er, le verset 18, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Alors voilà, Frère Kéry, augmenter science li a, et li augmenter douleur. Frère Patrick, augmenter science li augmenter douleur. Ok, vous achetez tout, il augmente science, il augmente douleur, comme il y aurait les noms, église d'Antichrist. Alors si vous avez les noms, église d'Antichrist, ou même chez les spectateurs, ou là, ouais, ou constaté avec des yeux, on pense que c'est le monde qui a bâillé menti, qui a pensé des mensonges, qui t'a donné des noms, ça a pour eux. Mais ce n'est pas grave, parce que Jésus-Christ, il a traité comme ça.
Il a traité Jésus-Christ comme un démon sous lui. Il a traité toutes sortes de bagailles. Mais de même, tu as traité Frère Patrick comme un démon. C'est l'église d'Antichrist, c'est faux prophète. Pas de problème. Pourquoi? Parce que la vérité était là. Parce que le monde qui est imposteur, là, il apparaît quand même. Il faut qu'un pays apparaisse pour tout le monde où son impliqué lié. Il faut qu'un imposteur apparaisse pour tout le monde où son imposteur qui est lié. Parce que pas gagné qu'à prouver le vrai. Parce que la vérité était la vérité. Parce que nous-mêmes, qu'à enseigner la doctrine de Jésus-Christ, nous parler ouvertement, comme Jésus-Christ te dit. Ouvertement devant tout le monde, nous pas peur de rencontrer personne de monde, parce que l'évangile était l'évangile. Quel que l'on soit le monde qui veut rencontrer avec nous, pas un problème pour nous rencontrer avec nous, pour nous détailler la parole Bible en main. Ce n'est pas nous-mêmes qui parlons, parler, c'est la Bible qui parle. Et nous avons besoin d'enseigner, monde qui convertit, monde qui pas converti, vérité, pas mensonge, mais la vérité, parce que y a besoin la vérité pour y sauver. Alors voilà pourquoi nous parler ouvertement et nous clair sur ça. Nous dit là toute nous-mêmes avec toute force, nous ne pas perdre personne monde pour nous dire la vérité, parce que c'est la vérité et que nous prouver tout ça qu'il nous dit par rapport à la parole. Voilà pourquoi monde gancer monde cap enseigner, y a même y a pas qu'à garder au nom miroir. Yo pas qu'à garder tête sur nos miroirs, parce que au fond de eux connaît mensonge, je vais enseigner. Ils connaissent ces mensonges. Alors peu importe, yo qu'à camper devant leur enseignant, mais au fond de eux ont une tristesse. Quand dit Paul dit excessive, une tristesse excessive qui pas bien fait. Pourquoi? Parce que yo connaît ça va faire pas bon. Yo connaît à enseigner mensonge. Yo connaît que ça veut dire pas biblique. Il pas selon la Bible. Et c'est penser yo. Alors voilà pourquoi ils ont des tristesses excessives dans eux-mêmes qui rendent que yo pas car camper, j'ai moi ma prière, ma pensée, ma prière, parce que mon content, ça me dit vérité. Mais si vous connaissez un mensonge, vous pensez que vous connaissez que vous pas bon, vous connaissez que vous pas vrai, ou bien j'ai une tristesse, vous faites semblant d'être en joie, mais pourtant c'est complètement faux, parce que Dieu, papa, il m'a dit ça qui est clair. Jean 4, 24, car Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'esprit de Dieu, pas qu'à penser des mensonges, parce que c'est clair. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, nous enseignons la parole, Jean, que l'Évangile m'a dit là, et nous prêts pour nous rencontrer, quel qu'en soit le monde qui voulait rencontrer nous, pour éclaircir, mettre les points sur les i, sans aucune distraction, mais juste pour éclairer le monde, pour le sauver. Alors, sujet là, que nous pourrons partager ensemble, Frère Kerry, c'est la véritable origine de Noël, comme nous n'avons pas partagé le coup de mois de décembre, hein? Mais nous avons laissé pour nous finir avec ça, malgré nous n'avons pas fini avec tout, dans dimanche ça là, parce que nous n'avons pas pile temps, mais nous avons juste relaté quelques questions que nous avons bien aimé répondre pour vous au cours de sujet ça. Et question ça, c'est, première question, c'est quelle est l'origine de Noël, première question. Et deuxième question, hein, c'est de la Bible ou du paganisme. Est-ce que Noël a sorti de la Bible ou du paganisme? C'est-à-dire du paganisme, le mot paganisme vient du mot païen. Elle dit quelle est l'origine véritable du Père Noël, Père Noël. Alors, origine véritable du Père Noël, là, nous allons laisser, comme si nous sommes en train de faire un détail, nous allons laisser improviser sur tout sujet, là, dit résumer, l'un d'improviser, dans le sens d'improvisation, pas nous allons faire un parcours avec selon la Bible, mais nous allons essayer de résumer tout sujet, parce que nous tellement gagné en pile, bah, dit, mais nous allons laisser vraiment comment, ouais, pour nous partager ça selon l'Esprit de Dieu, nous faire comprendre tout ça en résumé, comme dit Paul, il t'a mis qu'il dit 5 paroles, tout le monde comprend qu'il t'a dit 50 000 paroles et personne ne pas comprendre ce qu'il dit. Alors, c'est ça nous allons laisser faire. Alors, question suivante, hein? L'origine du Père Noël, l'origine du gui, là, c'est une sorte d'ingrédient que vous mettez dans l'arbre de Noël là, des arbres de Noël, puis sapin qui est ouais, à côté de sorti, déjà, c'est question de ça, des guirlandes, c'est des petites décorations, il y a comme ça, qui n'ont, et puis sapin là, et de la coutume d'échanger des cadeaux, hein? Non, au cours de ça, c'est au cours d'époque que mon échanger des cadeaux, soi-disant, on dit, ouais, magio, t'es bail, t'es poté cadeau, bah, Jésus, bien que mon n'y pas ouvri, je voir que Jésus, pas de pas de bail cadeau. Jésus-Christ, pas de bail cadeau en retour. Échange des cadeaux, c'est-à-dire, ou bon, moins bon, à l'instant même. Or, il y a même royaux qui te venu, ouais, magio, c'est d'habitude dans le temps ancien, le roi royon roi, parce que Jésus-Christ c'est en tant que roi qu'il était venu. Eh bien, le roi royon roi, c'est normal pour porter des présents, comme d'habitude, à travers la Bible ou elle. Ah, mais il était porté des présents, mais ce n'est pas un échange de cadeaux, il a le fait. Non, moment ça. Et ensuite, en pile, le monde voulait introduire Jésus-Christ
dans la fête Noël là, comme c'est pas comme il y a pas les noms, il y a introduit Jésus-Christ dans la fête Noël là, comme les catholiques t'ont déjà fait lui, il y a introduit Jésus-Christ dans la fête Noël là, comme pas plat mettre ça en question malgré c'est que t'es introduit là, mais vous venez remettre ça en question et qu'on a ça qui pire d'avoir mettre d'autres choses encore en question, nous parlons de ça tout à l'heure, mais est-ce que vraiment Christ là gagne quelque chose à voir avec la Noël ou bien échange des cadeaux ou bien toute sa monnaie à faire puis sa paix. Hein. Alors ça le dit c'est ça nous pas regarder toute question ça yo gain des réponses étonnantes que nous pas discuter sur yo malgré nous pas laisser ouais comment pour nous partager ça et puis avant même que nous pas passer avec Frékéry pour par rapport à toute question ça yo pour le cap et faire nous et partager à Vili avec ça. Frékéry. Bon merci Patrick. Normalement, il faut que nous entrions pour nous parler de Noël, il faut que nous parlions de personnage là, que vous faites, qui c'est le Père Noël, j'ai toujours dit. Parler de Père Noël, son bagage mythique. Et nous parler de son bagage qui mythique, qui pour jusqu'à maintenant, qui était un mystère, un mythe. Parce que personne ne peut dire aux gens, moi, Père Noël, c'est un bagage qui que vous faites au niveau de l'imagination. Ou bien c'est un bagage que. Mon pensée, yo bao. Est-ce que yon chrétien doit gagner de père mythiquement? Parce que l'aime pas les deux mythiquement. Dieu, lui-même, c'est papa nous. Si Dieu c'est papa nous, c'est que Dieu nous-mêmes les chrétiens nous doit gagner comme papa, comme père, comme véritable père. Est-ce que qu'on y a nous qu'apprend Père Noël mettez à côté de Dieu comme une autre père? Ça, c'est l'autre question. Il n'y a aucun problème, j'aime toujours dire, avec un païen, un monde qui n'est pas chrétien, qui choisit fait Père Noël, un deuxième Père pour eux. Parce que vérité, ça, pas pour eux. Vérité, ça, pas affranchi. Mais ou même qui est chrétien, ou supposé poser cette question, est-ce que ou bon l'autre Père qui est autre que le Dieu Tout-Puissant? Si oui, ou bien Père Noël, donc, ou toujours, non seulement ou quoi là-dedans, ou fait des petits mondes quoi là-dedans, oh, à tout qu'on n'est pas vrai. Parce que si on te connaît le vrai, il faut au moins tu aies des preuves tangibles qui prouvent que le vrai. Il faut que ce n'est pas toi-même qui t'a le mettre cadeau pour petit monde pour créer l'imagination en lui pour faire le grandir avec elle. En plus, pour qui ça, Père Noël? Pour qui ça y aurait le Père? Bon, en quelque sorte, c'est analyser, n'a pas analysé. Si n'a pas analysé, n'a pas essayé de mettre en question. Pour nous prouver que fondement pas basé sur rien. Exact. Exact. Parce que en réalité, Frékéry, comme nous voyons dans le Père Noël là, qui est mon transformé, soit, enfin, il y a eu le Père Noël qui c'est Saint-Nicolas, dans la même époque qui a fêté fête Saturnalio à l'ancien temps, après que mon attribuer ça. Enfin, ce n'est pas trop longtemps que les catholiques ont attribué lui avec la naissance de Jésus-Christ. Ensuite, on voit les protestants qui peuvent le prendre, qui peuvent arriver à adopter le principe ça. Et lorsque vous parlez adopter le principe ça, on voit le monde pour adapter, embrasser un tel principe là, pour faire mon quoi que Père Noël, enfin le Père Noël surtout, l'abbé de Noël qui est lié avec eux, c'est-à-dire qu'on te dit origine Père Noël là. Abde Noël à côté du jeune avec qui c'est en pied sapin qui est décoré côté du jeune avec eux. Et puis dimanche dernier, on bagaille que nous te fait ouais aussi. C'était dans Jérémie chapitre 10 que nous te ouais ça. Nous te surtout voulait parler de Abde Noël là qui est lié avec tout ça qui est complètement des mensonges et que chaque monde qui éternise vraiment a gagné un pied sapin la caillou, il a gagné un dieu, un faux dieu la caillou. Et du moment qu'il y a un faux Dieu dans la caillou, c'est qu'il y a en abomination avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui est le seul Dieu et le seul Seigneur. Et au pas qu'à mettre l'autre bon côté, la côté de lui, pour faire quoi, comme si son Dieu qui a gagné. Par exemple, dans Jérémie chapitre 10, dans le verset 1er, à continuer, et nous parlons aussi dans le même chapitre-là, côté la parole de Dieu, interdit l'autre Dieu, qui est seulement le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, qui est le Père, le seul Père, et pas bon l'autre encore. Alors, dans le verset 1er, il dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations.
et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Bon, il faut caper sur le verset 2, frère Kéry. Le verset 2. N'imitez pas la voix des nations. Ça veut dire que si les nations ont fait des fêtes, parce que Noël, l'origine de Noël n'est pas biblique. La fête de Noël vient du paganisme, vient des païens, vient des nations. Alors, s'il vient des nations, est-ce que vraiment l'Église qui dit que c'est l'Église de Jésus-Christ, frère Kéry, a imité ou bien adopté un tel principe? Du tout pas. Parce que boussole chrétien, yo, boussole l'Église qui c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est la Bible. C'est que l'Église doit fêter un bagage que la Bible a la provision pour le fêter. Amen. Et en même temps, il doit faire un bagage que la Bible a la provision pour que l'il fait. C'est naturel que l'Église catholique essayait de rendre les bibliques dans un certain temps. Mais, il a fait une rendre compte qu'il a trompé. Parce qu'il a dit que Jésus-Christ fête le 25 décembre. Donc, nous avons regardé un commentaire que il a dit que c'est ça qui fait qu'il a fêté, fête ça, 25 décembre. Exact. Mais, quelques années plus tard, ils ont fini par démentir tête encore. Parce qu'ils ont dit non, Jésus. Pas trop longtemps, tout dernièrement, là, le pape Benoît XVI, écrit un article, il était là pour téléspectateur pour montrer qu'il mettait en doute que Jésus vient de Joseph et de Marie. Il mettait en doute encore la naissance, qui est vraiment sa réelle vraie et naissance. Parce qu'ils ont fait un calcul, ils ont fait une erreur. Et c'est article ça. Ils ont parlé plus vite, c'est le pape là, enfin, pape ça maintenant pour le craser les bagailles la net. Oui, bon, nous allons arriver sur ça. OK. Mais, quand il y a là, mais il y a même encore une démentie tête. Moi-même, premièrement, je m'oblige à dire, est-ce que mon saïo, qu'on saïo a fait? Parce que, ou pas qu'à fin, fait mon quoi dans un bagage, et puis tout d'un coup, pour une démentie tête. Et en plus, pour une démentie tête, nous ne pouvons pas dire pas bon. Ou quitter mon yo, toujours continuer à fêter même bagage là, qui, en quelque sorte, pas bon. En plus, mon yo, il prend comme. Ils ont fait, ils ont dit soi-disant, c'est en fait de partage, de l'amour, etc. Mais si moi, mon monde, ce n'est pas que l'époque Noël arrivait pour me prouver l'amour pour lui. Non. Si moi, mon frère, moi, mon ami, je dois faire acte d'amour tout au long de l'année. Exact. Mais automatiquement, mon avenir, c'est l'époque Noël, là, c'est une circonstance. Toute circonstance vient de un bagage qui est mythique. Peut-être que vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Le pourquoi que c'est jour ça, il faut qu'on cherche pour qui ça fait c'est jour ça, mais peut-être nous ne faisons pas ignorance, en plus de nous. Mais bon, raison fait que c'est jour ça. Exactement. Mais est-ce que l'Église catholique, après au fin de menti que ce n'est pas naissance de Jésus, que Jésus n'est pas de fête le 25 décembre, est-ce que les gens ont le pourquoi? Bah ouais. Alors, tout le monde était dans l'égarement à adopter un principe, un tel principe. Alors, un tel principe, bon, regardez dans le document ça, malgré nous pas regarder tout le document vite fait, mais le tabou pour nous un peu partager, commenter ça, de un serviteur qui t'a réfléchi ou bien partager des salgaires pour téléspectateurs avant que nous continuions à toucher l'autre point sur ce qu'il a dit. Bon, côté, on a essayé de résumer quelques points que nous avons soulignés qui sont importants à partager avec téléspectateurs. Premièrement, il dit, chaque année, lorsque l'automne avance, les pensées d'un grand nombre de personnes se tournent vers Noël. C'est le moment où les chrétiens pratiquants doivent se concentrer sur Jésus-Christ. Enfin, c'est le seul moment. Enfin, pour moi, c'est le seul moment. Après tout, c'est une période qui lui est dédiée par les billets de la catholique romaine, bien entendu. Alors, il y a un certain Rudolf, le petit renne au nez rouge, les guirlandes, les arbres décorés. Par exemple, nous toujours avons un arbre à côté de nous, là, un petit sapin qui est bien décoré avec tous les ingrédients là. Hein, là-dedans, nous avons tout près de nous là, dans la télévision. Et puis, les guirlandes, les arbres décorés, les guis, les échanges des souhaits, la musique de Noël. Hein, bon, après, quand les chrétiens ont entendu des musiques de Noël, Noël et chanté, hein, parce que ces moments, ils ont fêté. Hein? Les marrons grillés ainsi que le Père Noël. Il dit, sont toutes les choses qui sont associées à cette fête. Parce qu'il y a toutes sortes d'ingrédients qui sont adaptés avec la fête de Noël là. Et qu'il y a, chers téléspectateurs, la plupart d'entre vous, pour adopter comme un bagage chaque année pour fêter. Et chacune d'elles apporte à tout ce qui la célèbre un sentiment de douce chaleur.
Parce que dans mon sens, tout le monde est chaud. On a rigolé, après on monte, on descend. C'est là pour faire gros soupe, belle bagaille. Et puis voilà, parce que c'est fête de Noël qui arrive. Alors, serviteur l'a dit, j'ai grandi dans une famille qui observait Noël et pour laquelle c'était un événement très important. Année après année, nous n'oublions rien de ce qui se faisait partie de la fête. Le 24 décembre au soir, la nervosité croissait à chaque minute qui passait. Mes parents allaient jusqu'à faire chauffer du café noir frais pour le Père Noël. Complètement faux. Hein? Pour le Père Noël, juste avant de nous envoyer nous coucher. Alors, maman mettait un cafetier à café pour le Père Noël qui a passé dans un souhait, comme il fait timoun, il croit, on sait des chrétiens faux chrétiens. Hein? Ce n'est pas chrétien, c'est chrétien qui est. Il parle des chrétiens vrais. Qui fait timoun yo quoi que gon faux papa Noël qui a passé bin mette cadeau en bas zorié yo ou bien en pied chez dans cheminée ou bien en bas ab de Noël là hein yo fait timoun yo quoi ça le soir timoun n'a pas arrivé dormi parce qu'il a goumi avec esprit de Père Noël la vie esprit diabolique là combattre avec timoun non hein parce que li a patan avec une sorte de bail parce que pourtant c'est van ou van petit tout avec un vieux esprit diabolique alors la lui juste oui, Fakeri. Oui, vas-y. Quand on va toucher là, yon bagay monsieur a partagé. Il dit que parents qu'on habitue fait café, mettez là attestant que Père Noël a vu une vraie café. A passé, exact. Est-ce que c'est pas une sorte de sacrifice? Parce que de chez nous à Haïti, nous toujours qu'on voit que ils utilisent genre de bagay ça pour des bagay nettement mystiques qui liés avec bagay. Par exemple, il a fait event, ils mettent un cafetier café les mon amour. Voilà. Est-ce que en quelque sorte moun sa li pa fait une invocation d'esprit sans que peut-être li pa rende compte ou bien que li rende compte très bien. Li connaît très bien ça. Automatiquement le parce qu'il mettait pour un monde, il mettait pour un être qu'il pas connaît. Parce que même dans en vaudou en Haïti, moun nous mettait café yo ou bien on mettait clairin ou bien on mettait siwa. Mais c'est au service de yon faux Dieu que yon mette. C'est-à-dire, yon invoque moi ces manières plus, comme non seulement des paroles que yon prononce de yon même, mais c'est la manière la plus respectueuse que moun sa utilise pour honorer le faux Père Noël diabolique que tout parent, soi-disant qui dit chrétien, pas parler pour le monde mette fonctionner dans Noël, les gens vous voulez, parler pour le monde qui dit l'église. Tout parent, soi-disant qui dit au chrétien, mais qui c'est chrétien pour de vrai, et qui adapté avec principe ça, qui fait un système ça, qui peut le fêter, participer dans ces fêtes Noël, cérémonie Noël, qui est complètement diabolique. Ils sont des sacrifices, 100% fréquéri, sont sacrifices que mon en fait, lui offrir non seulement petit lit, mais lui offrir tête lit, lui offrir maison lit, avec un esprit diabolique. Absolument. Je vais vous poser une question. Pour moi, c'est que, pour qui ça que, question de Père Noël là, lit toujours avancer le plus vers le monde qui gagne. Lit toujours avancer le plus vers le monde qui gagne, mais lit lié des monde qui a souffri de faim. Parce que, en même temps, le monde ça y est, même y a fêté, il n'y a pas jamais imaginé que y a des monde qui ont mouru de faim. Il y a des monde qui sont dans l'hôpital. Mais qui dit acte d'amour, c'est Jean dit, il y a lié. Et tradition Père Noël là, normalement, il faut au moins vous apporter vers le monde au lieu de vers le monde qui gagne déjà. Pour qui ça va faire? Vous pensez que, en quelque sorte, ça, son bagage pour vous mettre en question. Pour vous mettre en question. Si c'est vers le monde qui gagne ou avance, il n'y a pas un acte d'amour. Amen. Il n'y a pas un acte d'amour. Amen. Acte d'amour, doit faire Jésus envers que... de monde qui pas gagne. Jésus qui clair sur ça dans Matthieu 5 là. Ça, ça peut rapporter le bagage au monde qui déjà gagne. Hein? L'aurait mais un monde qui vraiment ça pas pour passer pas rien au fait de même. Hein? Pas rien au fait de même. Ou pas qu'à gagner récompense le bail un monde qui déjà gagne et ou espérant retour. Elle dit non, moment échange de cadeaux africains. C'est que yo bail en espérant que mon yo bail a bail en retour parce que son sorte d'échange de cadeaux sauf que yo tombé parce que les rois mages présentés yo bail en sang toutes sortes de provisions ça des présents au roi Jésus-Christ le seul roi des rois. Hein? Qui gagne dans tout siècle là et siècle qui vient immortel et invisible là au Bali présent ça yo ah ben c'est parce que d'habitude l'on va rencontrer un roi par exemple la reine de Séba elle parle qu'à Salomon eh ben les porter en pile présent pour la prendre la sagesse de Salomon pour découvrir un tel homme alors voilà la raison pour laquelle qui fait que il était bien quand même Jésus-Christ pas dans échange de cadeaux avec personne en plus Jésus-Christ c'est un personnage réel il pas un personnage